Alors Hassan, c'est ta première maraude avec donner la main don de soi. Comment tu as vécu cette maraude auprès des sans-abri du centre-ville? Oui, malheureusement, il y avait du monde et ça s'est très bien passé. On a été bien accueillis et puis il y avait un peu de tout. Il y avait des plus jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des Français, des étrangers aussi. On a rencontré qui voulaient sortir de la rue, qui cherchaient du travail. Il y en a qui ne voulaient pas aussi. Voilà, il y avait un peu de tout. Mais en tout cas, on a fait une bonne tournée, ça s'est bien passé, on a distribué pas mal de nourriture. Content d'être là, je suis content de pouvoir participer en fait à porter un peu d'humanité en fait, des gens qui n'ont pas grand chose. Donc voilà, je me pose moins de questions pour me dire il y a de la misère et tout, il y en a de plus en plus et voilà, je fais ma part. Alors Dominique, toutes les années on se dit on revient à la case départ, 10e hiver de maraude, comment tu entames ce 10e hiver? Je l'entame avec beaucoup de bouchons. moi je me rencontre chaque jour, même encore là sur la route, il y a encore énormément de monde à la rue, malheureusement. On aimerait bien que ça change, mais le problème c'est que ça va pas aller en s'améliorant, hein. Ça c'est sûr. Comment je le sens aujourd'hui? Comme chaque année, on va dire. Je le sens ni bien ni mal, hein. On est là pour le faire et voilà, donc on est là pour aider les gens et on continuera tant qu'on aura besoin. La communication est très compliquée de nos jours pour faire bouger les gens. Ça je l'ai constaté parce que voilà, je fais quand même appel à pas mal de monde et ça bouge pas tant que ça. Très compliqué dans tous les milieux associatifs en fait d'avoir du bénévole parce que voilà, pour différentes raisons, sans jugement de ma part. Très bien, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'aide. On a énormément besoin de bénévoles parce que là tout à l'heure on s'est retrouvé à 17h avec pas grand monde et alors qu'il y avait des gens disponibles, mais bon, il y a les aléas de la vie font que. Voilà, donc c'est vrai que du bénévole, c'est une denrée très très rare et dans tous les milieux associatifs, sportifs notamment, puisque je fais de la course à pied et voilà. Je pars avec ton équipe et bravo à tous les bénévoles de donner la main. Bravo à Cuisine Elie, notre association partenaire maintenant pour les repas. Et c'est parti pour ce 10e hiver de maraude. Bravo.